Ouais. Ceci est une expérience sonore. Je suis à Paris là et donc je voulais faire un film sur la nuisance sonore vue autrement parce que je voulais entendre tous les bruits qu'il y a sans parler. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je suis là au bord de la Seine, c'est terrible. Ah oui, alors je vais vous raconter une histoire. Abracadabra. J'ai rencontré un mec là sous les quais, un type totalement fou qui m'a saoulé et j'ai pu. Il y a eu tout un site de personnes dont je connais sont venues, mais le mec il voulait à tout prix me tabasser. Ah, je suis stupéfait, c'est pas possible. J'ai dit quoi, il m'a fait ça? J'ai dit oui, il m'a fait ça. Attends, j'étais sidéré, tu vois. Le mec il voulait à tout prix me taper dessus. Ah, je dis attends là, tu vas pas me taper dessus, c'est pas possible quoi. Parce que je suis resté calme, tu vois. Et le mec, il n'en revenait pas. Alors, enfin bref, tout ça, c'est parce que je voulais parler de le son qu'on entend. Là. On entend la ville. C'est. L'idée, c'est essayer de caser un son qui colle avec ce qu'on entend. Vous voyez, c'est ça le délire. Donc, j'essaie de trouver un rythme avec l'air qui s'intègre avec ce qu'on entend. C'est un peu délire, mais c'est comme ça. Et plus j'avance, le bruit. Ça peut être. Et puis, il y a ça. Alors, vous voyez, mon idée, c'est ça. Vous entendez le bruit, écoutez, le vent, le son, il y a la lumière qui est intéressante. Alors je me suis dit, je vais aller raconter cette histoire de type qui voulait me casser la gueule. Ça ne m'a pas plu du tout, quoi. Je suis vert, mais je suis gardé le calme. L'idée, c'est le silence. Regarde, il y a un silence. Après, il y a peut-être des gens qui passent. Il y a quelqu'un qui arrive que je connais. Il est au téléphone. Il va être très surpris parce que je vais crier. Il va être dedans sans le savoir. C'est, j'utilise son image. Il va être très content. Voilà, tu fais, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et puis, à un moment donné, tu sais, tu avances, tu avances, tu avances. Et puis, les pas, tu sais, les pas, là, là, il y a. Le pas. Écoute. Je vais crier. Tu as la personne là? Ah bah non, je vais m'en approcher. Ah oui. Non, parce que j'allais te dire que je vais crier. Ah. J'ai fait un film, tu sais. L'idée, c'est que j'essaie toujours d'entendre tourner le truc là. Tu comprends? Donc l'idée, c'est que j'ai parlé d'une idée et je vais finir avec le cri. Tu comprends? Là, tu es venu et je voulais le faire. Tu vois? Je voulais faire comme ça. Et puis, du coup, tu es passé. Alors, je me suis dit, je vais le choper pour faire la finale que je voulais faire avec toi. Tu comprends le délire? Alors, c'est le cri.
tu vois, ça fait énormément de bien. Tu peux pas imaginer. Ouf! Alors, on est là, regarde. Là. Et c'est comment ton prénom? Lucas. Lucas. Mais tu vois, ça passait un bon moment. Ouais. J'ai fait une allusion par rapport à l'autre con que voulait me casser la gueule. tu vois, oh là là, je dis, oh putain, je suis tombé. Enfin, non, je dis juste ce que je te fais, c'est que merci, mais je suis devenu encore plus calme. Parce que quand tu es face à une personne comme ça, bah, le secret, c'est zen. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors, donc aujourd'hui, on est, pour les gens qui croient, au Pâques. C'est ça aujourd'hui, lundi de Pâques. Lundi de Pâques, ouais. Voilà, il y en est où? Voilà, on est à Paris, là, on va déconner. Voilà, je ne sais pas comment on va appeler ce film. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ah ben, le cri de Paris. Hein? Vas-y. Le cri de Paris. Voilà, c'est fait.